Ouais, toi. Ben non, parce que j'ai pas vu le menu Revo. Ouais, je sais bien. Pire, tu viendras dans mon groupe après, si tu veux. Welcome tout le monde, c'est Nova Exécuteur. Vous avez vu donc la petite intro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je viens de le dire, vous avez vu la petite intro où j'ai laissé parler une personne avec qui je parlais. Donc cette vidéo c'est un peu spécial, le titre ça va être je vais faire, je quitte un hacker. Donc bon, je ne sais pas si j'ai utilisé des hacks dans la partie, je suis même pas allé voir en mode studio. Enfin j'ai essayé, mais le problème c'est qu'à chaque fois que je suis sur son pseudo, ça me déconnectait du... Ça me déconnectait en fait. Donc bon, c'est un petit peu con, mais voilà. Donc voilà, ce Huckno qui est donc un hacker, comme vous avez pu voir, il avait son truc couleur, etc. Je sais pas si c'était un hacker, mais il avait l'air d'être un hacker, puisqu'il m'avait dit au début de partie, comme vous avez pu entendre, je lui avais dit, oh, j'aimerais bien être dans ton groupe et tout. Vous imaginez pas que je kiffe jouer avec des hackers et que c'est mes potes, les hackers, vous savez très bien que j'aime pas les hackers. Non, juste, comment dire, parce que je voulais être avec lui pour pouvoir l'interviewer, comme vous avez fait sur ma chaîne avant, mais la vidéo avait été supprimée et elle avait fait plus de 800 vues. Donc bon, j'aurais bien aimé pouvoir l'interviewer. Ça aurait pu être cool de savoir quelles méthodes font les hackers pour hacker. Même si je déteste leur genre, par contre, j'aurais pu aussi lui donner mon opinion. Bon, après, voilà, il y a des risques, mais c'est les risques du métier, comme je pourrais le dire. Donc voilà. Ce Huckno qui est en groupe avec ses amis m'a dit machin truc, je crois. Il me semble qu'il est en groupe, hein, parce qu'il m'a dit qu'il était dans un groupe et qu'il m'inviterait après. Évidemment, il m'a pas invité, puisque je l'ai fait rage quit tout simplement. Voilà. Donc j'étais assez content. J'ai eu mes streaks pas mal de fois. J'ai fait un assez bon score, presque 40 kills à la fin. Donc voilà. Donc ouais, donc on peut voir, donc comme j'ai dit, je sais pas s'il si utilisait des hacks dans la partie. Je pense parce qu'il savait à peu près où j'étais à chaque fois. J'ai l'impression qu'il utilisait un truc genre Wallhack ou drone permanent. Parce que à chaque fois, il se dirigeait vers moi ou à chaque fois, ils avaient que j'allais à un endroit, ils étaient pas loin de moi. Vous pouvez le voir à peu près sur le gameplay. Après qu'il utilisait des hacks ou pas, à la limite, je m'en fous. Ce qui compte, c'est que j'ai fait rage quit un hacker. Évidemment, il aurait été en god mode et il aurait été invincible. J'aurais pas pu le faire rage quit, hein. C'est logique. Après, c'était peut-être vraiment un mec qui faisait des lobbies, etc. Mais vu qu'il avait son pseudo en couleur et qu'il m'avait dit qu'il pouvait faire des hacks, en plus de ça, quand je cliquais sur son pseudo, quand j'ai fini la partie dans l'accueil, je sais pas si j'ai filmé ça, mais on verra bien. En plus, quand je cliquais sur son pseudo, donc comme j'ai dit, ça me déconnectait du PSN. Donc à mon avis, ça devait être un hacker qui faisait des hacks aussi et qui faisait pas que des lobbies. Et donc, bah, le mec, je l'ai fait rage quit. Donc je suis assez content de moi. Il n'y a pas à dire, c'est la première fois que je fais rage quit un hacker. Une fois sur Black Ops 1, j'avais aussi sorti une fois les chiens. L'hélico d'attaque contre un hacker, mais bon, là je n'ai pas fait rage quit, le mec était invisible et invincible. Mais bon, ça je l'ai pas filmé, c'était sur Black Ops 1. Je vais pas trop l'intérêt de filmer, je n'ai pas fait un score exceptionnel, mais voilà. Là j'ai filmé comme ça parce que bon, bah, je me suis. Bah, quand je vois un hacker, je le filme parce que en fait, je saisis l'occasion pour faire des interviews avec. J'aimerais vraiment faire une interview avec un hacker, même si je le dis franchement, je n'aime pas. Après, ils peuvent me donner leur point de vue, pourquoi Isaac, etc. Ça peut être pas mal de faire un débat, une conversation avec eux. Donc, si un hacker qui regarde cette vidéo, plutôt que faire le haineux et tenter de hacker mon compte PSN, qui me dit s'il veut bien que je l'interviewe, je critique pas les mecs qui font ça, enfin, dans le sens où moi j'aime pas, mais je respecte leur point de vue. C'est leur délire de hacker le jeu et de gâcher un peu le plaisir des autres gens, peut-être que eux ça les amuse, je peux comprendre, faut juste qu'ils m'expliquent leur point de vue. Donc voilà, ça me gênerait vraiment pas d'interviewer un hacker, au contraire, et ça me gênerait pas non plus de faire un débat avec. Donc, si un hacker bah, qui est disponible ou qui veut que je l'interviewe, bah, qu'il me le dise, et puis voilà. Et puis voilà, et puis bon, comme j'ai dit, j'aime pas les hackers, mais bon, je suis pas non plus haineux contre eux, mais voilà, quoi, c'est pas mes potes, voilà, c'est pas mes potes. Et puis voilà, donc j'étais assez content de cette partie parce que bon, assez content déjà, j'ai fait un assez bon score. En plus de ça, c'est sur une map que j'aime pas tellement, c'est-à-dire Overflow, hein. Je suis resté uniquement parce qu'il y avait le mec en face, hein, et parce que surtout que je pensais qu'à la fin de la partie, il allait m'inviter, comme ça je me suis dit, ah, je lui proposerais d'interviewer, et d'aller surtout en partie privée pour qu'il me montre ses hacks. Parce que vous savez, moi j'ai pas trop envie qu'ils montent ça en partie publique parce que je trouve que ça gâche un peu le jeu. Après voilà. mais bon, du coup il a rage quit. Donc du coup ça fait une vidéo, bah, j'ai fait rage quit un hacker. Je pense pas que je mettrai cette vidéo dans la chaîne commentaire, jamais ils accepteront du doc comme ça. Le commentaire est beaucoup trop pourri. Mais bon, voilà, c'est une vidéo pour ma chaîne, on s'en fout, sans pression, pour mes abos. Comme vous pouvez le voir, ouais, je suis sur mon nouveau compte The Executor. Donc j'étais prestige 1, il me semble là. Ouais, prestige, un petit niveau, il me semble. Ah, je sais pas, on le verra sûrement à la mi-temps, etc. Ouais, parce que ouais, bon, mon compte d'exécuteur, comme j'ai déjà dit, j'ajoute personne dessus. J'ajoute personne, tout simplement parce que c'est un compte réservé pour jouer juste avec Julie et puis pour jouer seul aussi.
Et parce que mon compte pour jouer avec moi, des fois je me connecte sur mon compte Nova Exécuteur, soit pour jouer à Far Cry 4, soit pour jouer à Black Ops 2. Oui, des fois je vais jouer sur Black Ops 2. J'y suis allé ce week-end par exemple sur mon compte Nova Exécuteur jouer à Black Ops 2 Oui, je avec vois, des t'es un amis. hacker, ouais. J'y suis allé mercredi aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, vous me proposez en commentaire cette vidéo, vous me proposez sur Facebook, sur mon Facebook Nova Exécuteur, ou bien sur. Voilà, je suis content parce que j'allais faire Hashkit en fait. Donc voilà, je foutais des petits coups de couteau. Donc vous me proposez de venir jouer avec moi par Facebook ou par commentaire d'une vidéo ou par message privé YouTube. Et puis moi je viendrai jouer. Vous me dites juste quel jour, quelle heure. Et puis moi je viens avec vous. Voilà. Après, il faut que je sois disponible. Mais les week-ends, je suis surtout disponible le matin et un peu l'après-midi. Genre, ouais, je peux faire ça. Voilà. Je peux jouer avec des abos, avec des gens. Donc n'hésitez pas. Mais si vous voulez jouer avec moi, bah dites-le moi déjà en commentaire et ajoutez mon compte Nova Exécutor. N'ajoutez pas The Exécuteur YouTube, j'ai peut-être 4-5 invites par jour et je les supprime toutes. Hein. J'ai déjà eu des invites d'amis, je les supprime, donc voilà. Ça sert à rien de m'inviter, bon, il y a peut-être des gens qui ne comprendront pas, peut-être que mes amis, les gens de Nova ne comprendront pas, mais c'est un compte vraiment pour jouer solo ou avec juste une personne et je les lâche pas quand même parce que j'y reviens des fois sur mon compte Nova Exécuteur, j'y reviens régulièrement, j'y vais toutes les semaines, donc voilà. D'ailleurs là je vais y aller juste après cette vidéo pour jouer à AW, donc voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, vu que cette vidéo, il n'y a pas grand-chose à dire, juste que je vais faire acheter un cœur et vous parler du gameplay, je vais vite fait parler de ce que je vais faire sur ma chaîne. Donc, je vais sûrement faire des petits lives, des petites vidéos fun, des petits trucs comme ça, des petits trucs sympas. Voilà, je vais refaire des lives sur Call of Duty, je vais continuer mes lives sur Far Cry 4. Je vais continuer les petites vidéos commentées parce que ça me plaît bien en ce moment de faire des vidéos commentées. Vous avez vu mon débat là, mon sujet joueur Call of Duty perf fun. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez été un maximum à réagir. Pour le moment, j'ai eu deux commentaires dessus à l'heure où je fais cette vidéo. Voilà. Puis voilà, pour mes autres séries qui sont les tutos Spot Across, le moment histoire, tout ça, je suis plus trop motivé. Par contre, tuto Spot Across, je suis motivé. Faire des petits commentaires comme ça, je suis motivé. Faire craquage, je suis motivé. Mais le moment histoire, je suis plus trop motivé parce que ça fait plus beaucoup de vues. Ça fait peut-être 10 vues et j'ai l'impression que les gens n'ont plus rien à foutre. Au début, c'était des vidéos qui faisaient 50, 60 vues, donc là, j'étais vraiment content. Même si ça faisait pas mes vues, mais c'était déjà pas mal. Et maintenant, ça fait plus du tout ses vues. Donc, je suis un peu deg, mais bon, c'est pas trop grave. Donc, les gens, bah voilà. Bah, si vous voulez toujours faire d'autres moments d'histoire, bah dites-le moi en commentaire. Je pense que je vais faire encore deux épisodes et que je vais m'arrêter à l'épisode 10. C'est que je ferai une pause et que je reprendrai cette série quand j'aurai plus d'abonnés. Pour que ça intéresse plus de monde, tout simplement. Donc, voilà, les gens. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, hein, je tousse et tout ça. J'ai la voix un peu bizarre. C'est l'hiver, quoi. Et voilà, bon bah là je vais vous laisser, je vais laisser la fin du gameplay en musique puisque j'ai plus grand chose à dire. Et moi je vous dis à la prochaine.